Et Nick Amon, vous entraînez un feu de joie, un feu de joie qui a pas pu se montrer à son avantage au cours de ces dernières semaines, même cette année, ça a été un petit peu difficile. Ouais, c'est un cheval que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas fait une superbe année. Là, il vient de faire deux parcours avec moi pour essayer de lui redonner un petit peu de morale, lui changer un peu les idées. Voilà, on est vraiment dans le doute. Donc, j'ai mis un pilote, on s'en est occupé un peu. Voilà, il faudrait qu'il soit dans les 5-6 premiers pour nous rassurer, mais en deuxième ligne à l'Autostar, c'est vraiment pas évident. Est-ce qu'à l'entraînement, il vous montre des signes d'envie? Ben, on est vraiment en plein doute, quoi, parce que c'est un cheval qui n'est pas démonstratif. La première course que j'ai fait à Toulouse n'était pas bonne. La deuxième était un peu mieux. Mais bon, voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes et voilà, je pense que là on va essayer de mettre un bonnet fermé, changer deux ou trois choses pour que voilà, faudrait vraiment qu'il fasse une belle course pour nous rassurer déjà quoi, avant d'être dans le quintet quoi. Donc, les ambitions avant coup paraissent assez limitées malgré les changements effectués. Oui, je dirais très limitées. Je dis pour moi s'il était 5-6e en courant propre, on serait déjà content quoi. Donc faut vraiment pas s'emballer sur ses chances.